D'abord essayer de trouver la valeur étalon de chaque catégorie. Déjà, fais encore pipi au lit, je pense que Annie, c'est assez évident. Y a rien de cool à jouer une petite fille. Garen aime le rap et les animés, ça c'est le moyen total. T'aimes le rap et les animés, bien joué, t'es comme tout le monde, c'est ça que ça veut dire. Tellement cool qu'il en devient cringe, alors ça c'est 7 tout craché. Ils ont voulu en faire un peu trop. On n'est pas dupes les gars, franchement. Vous le trouvez ridicule 7 aussi. Giga de chat, bon c'est Broom ça. Ensuite on a les deux catégories intermédiaires. Je dirais qu'Alistar est plutôt cool, c'est un gros taureau quand même. Et ici c'est vraiment très peu cool, mais pas catastrophique. Je crois que Ramus correspond bien. Et voilà, on travaille à partir de ça. Alors Nunu et Willem, t'as Nunu qui est ici et Willem qui est là, donc évidemment on équilibre. Honnêtement, Nasus, y a rien de plus cool que les dieux égyptiens. Tous les dieux actuels, c'est de la merde en fait. Pourquoi on se remet pas à vénérer les dieux égyptiens? Emmerdinger, il se pisse clairement dessus. Milio, il se pisse clairement dessus. Zoé, je pense pas, mais elle a l'air quand même. Soraka, elle est franchement pas loin. Soraka, elle lève la main avant de parler, je pense. Rakan, ça va. Eh ben, il a les roues flaquettes, malheureusement. Bah, ça lui va bien. Il essaie d'imposer son style. Illaoi, franchement, c'est un design de Giga Chad. Hiverne, plutôt cool. Non, Giga Chad, Hiverne. Un peu de respect pour Hiverne. Xanté, c'est littéralement l'illustration Giga Chad. Il a une émote qui porte ce nom, alors on va le respecter un peu. Galio, oh là, Galio, carrément. Galio, je le mets même tout devant. C'est pas classé, mais juste. J'ai envie de le mettre tout devant. Jace, il était franchement Giga Chad avant que je regarde Arcane. Donc, il perd quelques points. Arcane l'a rendu beaucoup moins cool. Pareil pour Jinx, je la trouve plus cool, elle me rend juste triste maintenant. Panthéon, par contre, Giga Chad. Jin, il est pas loin d'être tellement cool qu'il en devient cringe. Il est à la limite, on va le mettre dans plutôt cool. On va essayer de remplir un peu cette catégorie-là. Je pense que Nocturne, voilà, c'est vraiment le type, il est trop dark, quoi. Avec sa voix, oh, je suis Nocturne, je suis Batman. C'est une réplique de Nocturne. Yasuo et fanservice, franchement. Ils sont abusés, là. Gragas, y a rien de moins cool que lui. Y a rien de cool à être roux, gros et alcoolique. Alors, si tu combines les trois, alors oui, il a une barbe, mais ça compense même pas. Fizz, franchement, il se fait taper à la récré. Lulu, elle se fait taper par les profs à la récré. Kled, c'est lui qui tape les gens à la récré. Skarner, il regarde les gens se faire taper à la récré. Kane, ça, c'est un champion cringe. Et son double, il est où son double? Mais oui, bien sûr, Silas, vous avez sorti deux fois Kane et vous pensez qu'on l'a pas remarqué. Je crois que Sivir, elle est forcément dans la catégorie moyenne. Caitlyn devrait y être aussi, mais à cause de son chapeau, un cran de moins. C'était bien tenté le chapeau, mais mauvaise idée. Je respecte quand même. Xerath, je sais pas trop ce que c'est, mais on va dire qu'il est plutôt cool. Amumu, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore classé. C'est évident. Il y en a d'autres qui se pissent dessus par ici. Oh, Teemo, il se pisse dessus. Parfois, plusieurs fois par jour. Corki, oh. Vex, c'est le cringe incarné. On fera pas pire. Thresh aussi, avis controversé, mais je dirais qu'il est tellement cool qu'il en devient cringe. Leona, tout à fait random. Jarvan, tout à fait random. Pareil pour Ashe, Ahri, Xayah, Zyra, Vayne. En fait, il pue les ADC. Sona aussi, Lux, Queen, Malzahar là, avec sa capuche. Et est-ce qu'il mérite pas cette catégorie au fond? Il me fait un peu pitié, Malzahar. Et Samira avec son bandeau de pirate. Non mais sérieux, ils sont crus où là? Oh, Lilia, pourquoi je l'ai pas encore mise là? Janna, un peu. Blitzcrank, je dirais qu'il est moyen. Brand, il est un peu cool. Graves, moyen. Gwen, bon franchement... aucun style, Gwen. Brilla, un peu cool quand même. Lissandra aussi, j'aime bien. Oh, les giga chat, Lissandra. Le mot est peut-être pas bien choisi, mais je trouve le design audacieux. Mordekaiser, alors lui, il est beaucoup trop cool, c'est pas permis. Quelqu'un d'aussi cool ne peut pas exister. Non mais Mordekaiser, quoi, c'est quoi ce nom? C'est beaucoup trop cool, faut arrêter. Shen, il est cool. Il lui manque peut-être la voix. La voix qu'a Zack, qui lui est un giga chat. Meilleure voix du jeu. Twitch, par contre, c'est pas le mot cool qui me viendrait à l'esprit. Le personnage est sympa, mais il est pas cool. Draven, bon bah Draven il est cool, qu'est-ce qu'on peut dire? Twisted Fate, c'est avec lui que tout a commencé. C'est lui le plus cool. Ezreal qui est tout à fait banal, il est avec Senna. Zeri aussi, c'est les ADC ça. Les designs sont pas audacieux. Bon, Lucian il est cool par contre. MF aussi, c'est un pirate. C'est cool les pirates. Gangplank, bah il est un peu cool. Si, il faut être objectif un peu. Renata Glass, bon bah c'est peut-être que mon avis. Je suis toujours objectif, ok? Pour vous le prouver, tenez, un autre de mes mains. Xin, bah pff, totalement random Xin. Zilean, bon bah il est vieux lui. Bah, il se pisse dessus, Zilean. Désolé, mec, hein, de te la prendre comme ça. Trinda, il est random. Echo, plutôt cool. Gnar, bon, bah, avant d'être méga Gnar, je voulais dire qu'il se pisse dessus. À bon entendeur. Là, comme vous voyez, c'est mini Gnar. Kennen, bon, lui, il est moyen. Nidalee, désolé, pas convaincu. Nami, ah non, je crois pas. Nico, encore moins. Yumi, Aphelios. Non, franchement, non. Bard, c'est pas facile. Je dirais qu'il est cool, Bard. Elise, moyen. Personne n'aime les araignées. Shaco, tellement cool qu'il en devient cringe. Désolé, Shaco. T'en fais beaucoup trop, faut être honnête. Morgana, c'est random. Tout comme Karma. Poppy, hein, pas ouf, hein. Puro, ça se voit, elle est mal polie avec les serveurs. Tandis que Udyr, il laisse un pourboire. Bon, Kog'Maw, il leur crache dessus. Il y a Vegar qui ose pas dire au serveur qu'il s'est trompé de commande. Et Séraphine, je l'ai pas déjà mise, Séraphine. J'ai l'impression que ça fait 5 fois que je la mets là. Nautilus, vachement cool finalement. Qu'est-ce qui l'empêche même d'être Giga Chad? Shogad, bon, il est un peu cool. Fiddle aussi. Hein. Rengar, bandeau de pirates aussi. Bah non. C'est même pas des pirates, Samira et Rengar.
Maître Yi, je sais pas ce qu'il a sur la tronche, mais je dirais que c'est cool. Et Jax aussi, hein. Eux deux, je comprends pas vraiment ce qu'ils ont au visage. Mais c'est pas mon problème. Lee Sin, je comprends ce qu'il a au visage. Pour le quota d'handicapés en Giga Chad, il y est. Ah, Tariq, bien sûr. Malphite, bon, c'est un gros caillou, c'est rien de spécial. Maokai, c'est un gros arbre, c'est rien de spécial. Katarina, c'est... rien de spécial. Aurélion Sol, c'est un dragon, il crache du feu, il fait tomber des météorites, il crée des trous noirs. Non, c'est bon. T'en fais trop, là. Shyvana, ça, c'est un dragon raisonnable qui n'en fait pas trop. Prends exemple. Velko, je trouve ça cool, les gros yeux. Enfin, le gros œil. Wukong, je suis désolé, il est un peu gênant. Zed, alors, il est là, mais c'est vraiment tout juste. Hein. Tiana, j'ai envie de la taper. Irelia, j'ai envie de me la taper. Rel, c'est plutôt médiocre. Talia aussi. Tristana. Kaisa, c'est random, comme tous les ADC presque. Elle est avec Talon, tiens. Victor. Oh, Victor! L'accent y est pour beaucoup. Ils font plus de champions avec des accents. Pourquoi ils l'ont pas fait pour Xanté? Ça aurait été rigolo. Diana, bah désolé, le tatouage sur le front, ça joue pas en ta faveur. Azir, bah, en fait, c'est un dieu égyptien, on va le mettre avec Nasus. Puis il y a Renekton aussi. Bon, bah, écoutez, j'aurais mieux fait de me taire sur les dieux égyptiens parce que c'est peut-être pas là que j'aurais mis Azir sinon. Anivia, c'est pas mal, ouais. Evelyn, c'est juste une salope. Pas de personnalité, juste une salope. Bravo, Riot. Rek'Sai, ouais, cool. Sejuani, c'est banal. Kyle aussi. Kassadin, il est cool. Cartus. Allez, plutôt cool. Si j'hésite, mérite pas le Giga Chat. Mundo, trop débile pour être cool. Ziggs, voix trop ridicule pour être cool. Olaf, un peu trop roux. Qu'est-ce qu'il fout dans le jeu en fait, Olaf? C'est juste un viking. Aatrox, plutôt cool. Il aurait juste pas dû être rework. Nila, c'est moyen. Viego, lui, je pense que ce sera le dernier de cette catégorie. Le dernier que je mettrai, je veux dire. J'avais oublié, ok? Kindred, plutôt cool. Yorick, bof. Ryze, bof. Pike, oh Pike, il est giga cool quand même. Non, faut être honnête. Je revendique mon objectivité quand même. Tous les membres des îles obscures là, hein, ils sont plutôt cool. Syndra aussi, plutôt cool. Bon. Camille, ouais. Cassio aussi, c'est pas mal. Singe, pas trop. Non, pas trop. Trundle. Ouais, je le trouve cool, Trundle. Je saurais pas trop l'expliquer, par contre. Akali, c'est moyen. Akshan aussi. Darius, jamais vraiment été convaincu. Swain, ouais, quand même, quand même. Swain, quand même. Vlad, c'est moyen. Leblanc, c'est moyen. C'est pas loin d'être là, Ryan. Je vais la mettre là, quand même. Kha'Zix. Je ne ressens rien. Aucun feeling, désolé. Vi, un peu cool. Volibear aussi. Il en fait un peu trop. Comme Warwick. Damkench, pas cool du tout. Non. Oh, si, il a une voix sympa. Bon, allez. Tu montes d'un cran. Orianna, un peu cool. Belvet. Ah, là où c'est bien, Belvet. Allez. Ça manque de femmes, hein, dans ce giga chat, quand même. Naphiri, un peu cool. Horn, c'est moyen. Urgot, bon. Rumble, c'est moyen. Sion, il est cool. Et Sylvarus, le dernier. Et si c'est le dernier, je pense que c'est parce que c'est le plus random de tous. Ce serait donc le champion le plus random, Varus. Bah voilà, c'est plutôt pas mal. Et le top 3, ce serait, ouais, Twisted Fate, Galio. Et Nasus. Parfait, j'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt.